Ah, oh, vous êtes là. Bonjour, mon nom est Nicolas Lemay-Castonguay. J'étudie les arts, lettres et communications au cégep de Jonquière. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Simon Roy, Ma vie rouge Kubrick, roman publié en 2014 aux éditions Le Boréal et qui a gagné le Grand Prix des libraires du Québec en 2015. Simon Roy est un enseignant de littérature et vient tout juste de publier son second roman l'année dernière. Mais aujourd'hui, ce sera le cas de son premier roman. Et je suis en train de vous convaincre sur le fait que tous les étudiants du cégep devraient lire ce livre. J'appuierai ce propos de deux arguments, c'est-à-dire l'univers cinématographique que Simon Roy va dépeindre et la littérature contemporaine dans laquelle le roman prend racine. Tout d'abord, comme le titre peut l'indiquer, Ma vie rouge Kubrick va dépeindre l'univers cinématographique de Stanley Kubrick dans le film The Shining. J'ai ici une petite photo pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas cette œuvre. Vous reconnaîtrez probablement cette fameuse image de Jack Torrance défonçant à la hache la porte de sa femme Wendy en s'écriant « Here's Johnny ». Scène culte que même ceux qui n'ont pas vu le film ont probablement déjà vu et entendu l'extrait. Alors, Ma vie rouge Kubrick va décrire certains éléments du film The Shining de Stanley Kubrick avec une certaine maestria. L'auteur va décrire les scènes et la méthode artistique que Stanley Kubrick va privilégier tout le long du tournage de ce film. Alors, Stanley Kubrick, qui avait une certaine angoisse face à la mort et qui avait une certaine logique un peu étrange pour tous ceux et celles qui n'ont pas de TOC, ceux qui auront lu l'ouvrage comprendront, est très bien décrit par Simon Roy, qui lui-même est un petit peu déphasé face au deuil de sa mère et face à son histoire familiale. Donc il va comparer l'univers cinématographique de The Shining avec son histoire personnelle. Cela va permettre de faciliter la compréhension de l'univers cinématographique de Stanley Kubrick tout en dépeignant le monde québécois dans lequel on évolue présentement. De plus, ça va permettre aux étudiants qui n'ont pas eu de cours de cinéma ou qui n'ont pas une connaissance approfondie de cet art, d'avoir une petite porte d'entrée facile vers cet univers qui va pouvoir leur permettre justement d'explorer vers d'autres horizons. Ensuite, Ma vie rouge Kubrick devrait être lue par tous les élèves du cégep, car elle prend racine dans la littérature québécoise contemporaine. C'est-à-dire que Simon Roy va écrire des chapitres courts, assurés, avec un rythme essoufflé, haletant, qui va toujours donner envie d'aller voir plus loin. Il ne va pas dépeindre un univers à l'espace-temps défini ou respecté. Donc on va faire des sauts en avant, des sauts en arrière, on va décrire un univers, on va décrire un autre univers, beaucoup de références à la culture populaire également. Simon Roy va aussi utiliser certaines citations qui proviennent de l'ouvrage The Shining de Stephen King, donc le roman qui a été publié par Stephen King, et le film, l'adaptation de Stanley Kubrick. Par exemple, comme j'ai mentionné plus tôt, le « Here's Johnny » va être présent à un endroit très bien choisi dans le texte. Cela prend place dans la littérature contemporaine, puisque beaucoup d'auteurs vont également faire ça. Je citerai en exemple Michel Houellebecq dans « Plateforme », où il va prendre des articles de Wikipédia et qui va copier-coller quasiment tel quel dans son texte, qui lui-même s'est inspiré de l'auteur américain Howard Philip Lovecraft, qui prenait des mémoires d'universitaires ou des articles de journaux pour les inculquer dans son texte. Donc Simon Roy va faire en quelque sorte la même chose en prenant différents passages des deux œuvres de Stephen King et de Stanley Kubrick pour les mettre dans sa propre œuvre et ainsi créer une profondeur très bienvenue. C'est ainsi que je crois que tous les élèves du niveau collégial devraient lire cet ouvrage de Simon Roy parce qu'il permet une courte incursion dans l'univers cinématographique américain d'horreur et plus globalement dans l'univers de Stanley Kubrick et qu'il s'inscrit dans une dynamique de littérature contemporaine. J'espère avoir pu vous convaincre de mon argument. Sur ce, je vous laisse et je vais terminer ma pipe. Merci.